Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour continuer la petite chinoise qui a bien avancé. Vous voyez où j'en suis rendue. Donc il me reste le bas là à faire. Donc on va en faire un petit peu ensemble aujourd'hui. On va faire la fleur là. Enfin, on va peut-être pas tout faire, mais on va faire une partie de la fleur. Je finirai le reste hors caméra. Et une fois qu'elle sera terminée et encadrée, je vous la montrerai en vidéo, comme pour l'africaine. Donc, c'est parti. Alors, attendez, je vais allumer. Alors, je vais brancher. Je ne vais pas brancher. Alors, attendez, je vais brancher ma lampe. Hop. Voilà, alors j'espère que vous allez voir. Je vais zoomer. Hop. Alors, donc on va faire la fleur. On va faire cette partie-là. Je vais mettre une petite musique. Et c'est parti. Alors. Donc là, c'est une partie qui est assez dure à faire. Enfin, dure à faire, non. Mais disons qu'il y a beaucoup de changements de couleurs. Donc, c'est un petit peu plus long à faire. Donc là, on va faire la 321. Donc, 321, voilà. C'est un rouge. C'est parti, je vais peut-être mettre un petit peu de colle sur mon crayon. J'arrive au bout de ma colle, il va falloir que j'en reprenne un autre morceau. C'est le morceau que j'ai depuis le départ, ça, depuis le tout premier ouvrage. Alors, j'ai une petite abonnée, c'est Catherine, il me semble, Catherine B, qui m'a envoyé un mail hier, il me semble, en me disant qu'il y avait des gorgeous en diamond painting sur AliExpress. Alors, effectivement, moi j'ai cherché. J'ai cherché et je n'en ai pas trouvé. Alors j'ai tapé poupée gorgeuse, j'ai tapé petite fille. Et en fait, il faut taper... alors je vous le remettrai dans la barre d'information, les filles. Je vous mettrai le nom de ce qu'il faut taper. Alors c'est Century ou je sais plus quoi, 3D, petite fille. Enfin, je vais vous le remettre en barre d'infos parce que j'ai gardé le mail de Catherine. Et quand vous allez donc sur AliExpress, effectivement, quand vous tapez ça, ça vous donne le modèle d'une gorgeous. Et quand vous sélectionnez acheter, ça vous en met, ça vous met tous les modèles qu'il y a sur le site. Alors moi, bien évidemment, bah, je vais en commander une. Je vais commander, je crois, la violette. Alors, je crois qu'elle porte un nom, mais je ne me rappelle plus. Elles sont alors en 30-40. Elles sont, il me semble, à 12 euros. Ce que j'ai vu hier. Les frais de port sont gratuits. Donc, c'est quand même intéressant. Donc, bien entendu, je vais me la commander. Hein, ça, c'était sûr. Je ne la ferai pas de suite parce que je veux prendre mes ouvrages dans l'ordre. Donc je vais peut-être pas la faire de suite, mais bon, comme j'en fais trois en même temps, en général, ça va aller quand même assez vite.
Donc je remercie Catherine de m'avoir donné l'info. Parce que j'avais beau taper, je ne trouvais pas. Pourtant Dieu sait si j'ai fait tous les modèles de Diamond Painting qu'il y avait et j'ai jamais trouvé la Gorgeous. Et là franchement, je sais pas, il y a peut-être, allez, on va dire une quinzaine de modèles quoi. Donc je suis très très contente. Catherine aussi en a commandé une. Alors si tu regardes la vidéo Catherine, tu me montreras quand tu l'auras fini bien entendu le résultat. N'hésitez pas hein, les filles, je vous l'ai déjà dit lors de la dernière vidéo, mais à m'envoyer vos ouvrages terminés. Même s'ils ne sont pas terminés, hein, vous pouvez m'envoyer une petite photo. Vous m'envoyez un mail et puis en général je vous réponds. Alors des fois je vous réponds pas de suite parce que je travaille. J'ai les messages que le soir. Mais en principe je réponds. Alors j'espère que vous voyez bien ce que je fais. Alors là, pour des raisons de praticité, j'ai enlevé le film qui protège la colle, mais en général, je le fais petit à petit. Mais comme je ne voulais pas vous casser les oreilles, du coup, j'ai tout enlevé. Alors, je crois que la prochaine vidéo, vous verrez de Diamond Painting. Il me semble que je ne dise pas de bêtises. Je vais vous dire, ça sera le hibou. Ouais. La prochaine vidéo, donc, que vous verrez, je vais démarrer le hibou. Donc je sais que vous étiez nombreuses à vouloir que je fasse le hibou, donc on va le démarrer ensemble, ça sera la prochaine vidéo, donc la semaine prochaine normalement, puisque je fais une vidéo par semaine, enfin, du moins j'essaye. Les couleurs sont très jolies, le rouge est très joli. Alors je mets pas la lumière trop fort en dessous parce que ça me donne des maux de tête en fait. Vous savez la lumière en dessous là, je la mets pas à pleine puissance puisque moi ça me donne des maux de tête. Et après ça me fait des migraines et oh là là, les migraines, moi, c'est un truc de dingue. Donc, quand ça arrive, je me couche. Alors, j'ai vu que Mélanie du site Etsy, où j'ai commandé mes crayons, avait ressorti des nouveaux crayons. Ils sont trop 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 beaux. Elle m'a envoyé les images je sais plus, la semaine dernière. Mais bon, là pour l'instant j'arrête un peu les dépenses. Donc voilà, mais ils sont très 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 beaux. Alors ensuite on va faire le E 3801.
Donc c'est cette couleur là. Donc c'est une sorte d'orangé. Ouais, qui est un peu plus clair que le rouge. Alors, par contre, ce que je n'ai pas regardé sur les Gorgeous, si c'était des drills ronds ou carrés. Je n'ai pas regardé. J'aimerais bien que ce soit des carrés puisque j'aime mieux travailler les carrés que les ronds. Alors vous remarquerez les filles que je n'utilise jamais cet embout là où vous pouvez mettre trois perles en même temps. Tout simplement parce que je trouve que ça va plus vite de le faire un par un. Là, le temps de réunir les trois perles, de les attraper, de bien se positionner après, moi je trouve que je perds du temps. Alors après vous me direz oui mais enfin on n'est pas à la minute non plus, ça c'est sûr. Mais je garde mon rythme comme ça et je préfère. Vidéo, donc on est mardi. Mardi prochain, je vous ferai une vidéo rangement drill. Je vais vous montrer comment que je me suis organisée pour ranger mes diamants. Vous allez voir, je trouve ça très pratique. Vous me direz si vous connaissiez ou pas ce rangement. Donc ça sera la semaine prochaine et le hibou ça sera que l'autre semaine, l'autre mardi, puisque je sors mes vidéos diamond painting le mardi. Je vais baisser un petit peu. Donc oui, la semaine prochaine il n'y aura pas de vidéo ouvrage, ça sera sur mon rangement drill. Et la semaine d'après, donc ça sera le hibou. Alors, je ne sais toujours pas quoi faire de mes diamants après, une fois que mes ouvrages sont finis. Alors, j'ai essayé un petit truc, mais bon, ça marche pas. J'ai découpé avec un die une fleur dans un papier blanc. J'ai mis de la colle dessus, mais j'ai mis de la colle de la créa patch de chez Axiom pour voir si mes perles collaient dessus pour faire une fleur. Et non, ça ne colle pas. Donc je pense qu'il faudrait en fait sur la fleur y mettre du scotch, vous savez, en rouleau qu'on trouve plus chez Action là, les rouleaux vous savez adhésifs là, de scotch de colle en fait. Vous mettez ça sur votre fleur, en fait ça va vous faire du collant comme ça, et après vous mettez vos drills dessus et vous formez votre fleur. Je pense que ça peut faire des super jolis embellissements. Donc il faudrait que j'essaye, mais là j'ai plus de rouleau. Le double face c'est pas pratique parce qu'il va falloir découper autour de la fleur le double face qui dépasse, donc ça c'est hors de question, moi je vais m'énerver à faire ça. Donc à voir. Dites-moi dans les commentaires si vous pouvez essayer donc de prendre une fleur ou autre chose, hein, un papillon,
vous y mettez dessus de la colle en rouleau. Et après, vous collez vos perles dessus. Et normalement, ça doit vous faire un bel embellissement. Mais comme chez Action, on ne trouve plus les rouleaux de scotch puisqu'ils les ont arrêtés. Et bien, du coup, voilà. Et puis, dans les autres magasins, c'est super cher. Donc, pour l'instant, je n'en ai plus. Ce que ça donne, voilà. J'espère que vous voyez bien, vous êtes peut-être pas assez zoomé. Faites bien attention aussi les filles, pas vous tromper dans les, surtout dans les symboles et les couleurs. Je vous dis ça parce que moi ça m'est arrivé sur le tout premier ouvrage que j'avais fait. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était la tour Eiffel avec le vélo. Et en fait je m'étais trompée de couleur sur toute une partie. Ça va, j'ai réussi avec la pince à épiler à les enlever, mais je peux vous assurer que c'est galère. Bien faire attention. Donc moi ça m'a servi de leçon. Maintenant des fois je me fais un peu peur parce que je crois que je me trompe, mais non. Donc dès qu'elle sera terminée, je l'encadre et je vous la montrerai lors d'une vidéo Diamond Painting avec moi. Je vous la montrerai en début de vidéo, comme pour l'africaine. Alors des fois vous avez des drills qui sont un peu abîmés, voilà. Donc moi ça, hop, je les jette mais dans l'ensemble il n'y a pas trop de déchets quand même. Alors des fois il y en a qui ne veulent pas se mettre droit. Donc voilà, on va faire une autre couleur ensemble, on va faire le M. Alors je regarde sur le côté et le M c'est 666, alors ça, ça doit être là. Alors c'est un rouge encore. Que la fleur est rouge, hein. C'est encore une autre somme de rouge. Je
je vais reprendre de la colle. Zut, ça c'est chiant quand ça se met, que ça tombe et que ça colle sur un endroit où il faut pas. Alors très certainement que je continuerai la collection des chinoises, parce qu'il y avait plusieurs modèles, je vous avais montré. Mais bon, chaque chose en son temps. J'ai déjà la Gorgeous que je dois acheter. J'ai un dragon pour Laurent, pour mon mari. Et j'ai une autre. J'ai un paysage japonais aussi que j'aurais aimé. Je vais peut-être vous le montrer après. Je vais vous montrer après. Puisque je les ai mis dans mon panier sur Wish. Je vais vous montrer les deux modèles que je voudrais me commander par la suite. Alors là, ce mois-ci, j'ai eu un petit souci avec Wish. C'est que j'ai commandé des boîtes. Vous savez, les boîtes, les autres là. Vous savez, les autres que j'utilise, les petites en plastique avec les petites toutes transparentes. Je les ai jamais reçues de chez Wish. Donc, là j'attends puisque il me reste un jour de délai. Ils m'ont déjà décalé d'une semaine, donc je vais demander un remboursement puisqu'ils me décalent, ils me décalent la date à chaque fois, ils me replongent d'une semaine, mais bon là ça commence à être long. Ça fait pratiquement 2 mois que je les attends. Donc la première tournée, je les ai bien eu. Ça a été assez long, mais je les ai eu. Et puis là, je sais pas. Donc, soit ça s'est perdu, soit c'est bloqué à la douane. Mais bon, c'est des boîtes, hein, donc normalement ça devrait passer. Faire quelques-uns et puis je vais vous montrer les nouveaux ouvrages que je voudrais me commander. J'espère que je ne vous fais pas trop bouger. J'essaye de pas trop appuyer sur la table. Alors, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, c'est fini pour celle-ci. Je la terminerai moi tranquillement. Et je vous la montrerai donc une fois encadrée. Et je voudrais vous montrer les prochains que je voudrais
me commander. Alors ça, je remets dans la boîte avant de faire des bêtises. Donc, je vous montre ce qu'on a fait. Alors, attendez, je vais dézoomer. Hop. Donc voilà, on a fait cette partie-là. Voilà. La montre. Alors, donc, je vais la mettre ici. Et alors, je vais baisser la musique. Et ce que je voudrais vous montrer... Voilà. Alors, je vais essayer de... Voilà. Donc voilà, je voulais vous montrer celui-là. Donc je voudrais faire pour le chéri. Donc je peux pas agrandir par contre. Alors, attendez, je vais regarder. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc celui-ci que je vais commander, qui est un entier. Et ensuite celui-là. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais essayer de l'agrandir. Voilà. Vous voyez ? Voilà, celui-là, je le trouve magnifique. C'est un entier aussi. Il est trop trop beau. Alors, je ne sais pas si c'est des drill rooms carrés. C'est pas précisé. Ça, c'est à la surprise à l'arrivée. Donc voilà, pour les deux que je voudrais, les deux prochains que je voudrais me commander. Et donc sur Ali, alors attendez, je vais essayer d'aller vous montrer. J'en ai pas pour longtemps. AliExpress. Donc hier j'ai tapé, alors je ne sais plus, j'espère que je vais retrouver. Non, c'est pas ça. AliExpress là. Est-ce que je vais retrouver j'ai tapé hier mais je sais plus quoi. Alors attendez, je vais essayer de vous retrouver ça. Je vais retourner sur le mail de voilà, collection Gorgeous. Alors, où est-ce qu'elle m'a mis? C'est Sunstarry 5D qu'il faut taper. Je vais vous le remarquer en barre d'information. Alors, attendez. Bon, je retourne sur là. AliExpress. Voilà. Alors, vous voyez, vous allez tomber là-dessus. Donc, vous tapez Sunstarry 5D petite fille. Vous voyez là? Là. Je vous le remarquer en barre d'information. Donc, vous allez tomber sur celle-ci. Donc, voilà. Vous voyez? Vous allez tomber sur celle-ci. Et quand vous faites c'est acheter, voilà, en bas, vous avez tous les modèles qui existent. Donc moi je voulais celle-ci. Alors attendez, je ne sais pas si je peux l'agrandir. Voilà, je voulais me commander celle-ci et ce sont des pleins. Ils sont pleins. Ils ne sont pas partiels ou ils sont pleins. Donc voilà, c'était le petit truc que je voulais vous montrer. Vous voyez, il y en a plein, plein, plein en bas. Donc, je vous remets le lien en barre d'information. C'est pas le lien. Je vous mets ce qu'il va falloir taper sur AliExpress dans votre barre de recherche une fois que vous êtes sur AliExpress. Donc, voilà les filles. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.